Une ruine soudaine s'abattra sur la France. Message de Yeshua Mashiach à sa servante Brigitte. 9 janvier 2021. Chers frères et sœurs, je voulais partager un message reçu ce matin très tôt et sincèrement, j'ai ressenti une telle peine et tristesse, comme si Dieu me la faisait ressentir à cause de tout ce qui va arriver. Après avoir prié et demandé à Dieu s'il y avait un message pour la France, j'ai ouvert ma Bible et ce passage m'a été donné. Ézéchiel chapitre 27, versets 27 à 31. Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, tes mariniers et tes pilotes, ceux qui réparent tes fissures et ceux qui s'occupent de ton commerce, tous tes hommes de guerre qui sont chez toi, et toute la multitude qui est au milieu de toi tomberont dans le cœur des mers au jour de ta chute. Au cri de tes pilotes, les plages d'alentour trembleront. Et tous ceux qui manient la rame descendront de leurs navires, les mariniers, tous les pilotes de la mer, ils se tiendront sur la terre. Ils feront entendre leur voix sur toi et pousseront des cris amers. Ils jetteront de la poussière sur leur tête et se rouleront dans la cendre. Ils se raseront la tête à cause de toi. Ils se revêtiront de sacs et ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme avec une vive affliction. En finissant de lire ces versets bibliques, j'ai reçu ce message. Beaucoup seront saisis d'effroi et pleureront leur vie passée. Puisque tu t'es laissé avilir par l'ennemi, tu es devenu détestable à mes yeux. Tu tomberas et nul ne te relèvera. Ta fin est proche. Fuyez les villes, habitants de France. Ne soyez pas dans l'opulence, car une ruine soudaine s'abattra contre vous. L'horreur dans vos villes sera connue de tous et votre fierté sera piétinée. Car vous avez asservi mon peuple, vous l'avez réduit au silence. Nul ne pourra vous secourir. Ma justice n'est pas celle des hommes, et lorsque je frappe, ce n'est pas en vain. Oui, vous serez frappés et mis à nu, grande ville de France. Et tous contempleront avec effroi votre nudité. Beaucoup pleureront sur votre fierté d'autrefois. Mes serviteurs m'implorent. Voilà pourquoi vous êtes encore debout. Mais je ne tarderai pas. Une ruine soudaine s'abattra et vous dévorera. Vous serez nus comme des vers et nul ne pourra vous vêtir. Car je suis l'Éternel des armées et personne ne me résiste. Vous avez confié votre pouvoir aux satanistes. Vous verrez leur jugement et leur fin. Préparez-vous, mes fidèles serviteurs. Ma colère ne vous est pas réservée. Soyez fidèles. Il est encore temps de se repentir. Mes enfants, n'ayez pas peur. Je serai avec vous et je vous garderai sous mes ailes. Je suis l'Éternel, maître de l'univers. À ce moment, je lui ai demandé, « Seigneur, où dois-je aller ? » Je te conduirai, sois sans crainte. J'ai encore demandé, « Est-ce que je dois prévenir, Seigneur ?» Préviens tous ceux que tu connais. Avertis mon peuple de cette ruine soudaine, car aucun n'est préparé à cela. Garde-toi de me désobéir. Quelques heures plus tard, un peu troublé, j'ai demandé une confirmation à Dieu, et voilà le passage biblique que j'ai reçu. Luc chapitre 21, versets 5 à 19. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés,
car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Mon cœur était si lourd et triste. Puis il m'a encore donné les versets suivants. Jérémie, chapitre 23, versets 16 à 32. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendue? Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage se précipite, il fonce sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près ? Dit l'Éternel. Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie ? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ? Dit l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille et le froment ? Dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu ? Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise le roc ? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel.